Salut les amis, on se transforme en Super Saiyan pour passer un bon moment ensemble et éventuellement défoncer des gueules dans cette vidéo. Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'assistoligne. Interrompre les messages de la... La super clé 8000 Gadgetron est dotée d'une nouvelle fonction. Intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes doué en mécanique ? Tu l'as dit. J'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne ? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait ? Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, Président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas, nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Hélas, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au Soleil, où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore ? Eh ben arrête, crétin ! Et où sont passés les habitants de ces planètes ? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'inforobot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, ben ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi ? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique.
Bah, comment tu sais ça, toi? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça? J'allais vous le proposer. Ça roule. Ça pourra nous gêner. Occupe-t'en. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ouais, pardon. Tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542. Non! Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti! C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Foutaise, je ne tolérerai jamais ça, jamais! Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un tournement, espèce de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes de ma patience! Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite! Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non! Il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas de traces. Clank, où est-ce que tu te caches? Par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Des mercenaires? Des tueurs? Des assassins? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon inforobot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Métropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Hal, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Hal trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Métropolis. Roborama, c'est Quarktastic! Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Métropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau... Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées de deux nouvelles planètes, tu peux utiliser ton vaisseau. Appuie sur la touche Select pour afficher la carte. Ton vaisseau est repéré par une étoile. Yeah.
Écoutez-moi, espèce de bon à rien! C'était la performance la plus pathétique et minable que j'ai jamais vue sur ce parcours d'obstacles! Comment ça? Nous avons fini le circuit, madame. Oh oui, mais c'était nul! 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 Quand je courais encore, je dévorais des parcours comme celui-là au petit déjeuner! Et pas que ça, je parie. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous entraînerais dur, dur, dur! Et ça, toute la journée! Mais allez savoir pourquoi vous avez impressionné cet idiot de Capitaine Quark! Le Capitaine Quark nous a vus? Oh que oui! Et le pire, c'est qu'il veut que je vous donne une récompense pour votre performance ridicule! Cool! C'est quoi? Je suis censé vous donner un swinger pour que vous puissiez vous balancer comme des petits insectes! Super! On peut voir? Passez vite! Aujourd'hui, vous avez osé déshonorer mon parcours! Alors, je vais vous le faire payer! Mais c'est une récompense du capitaine. C'est injuste. Tant pis, la vie est injuste. Ah, génial! Je suis sûr que le capitaine Quark utilise des trucs comme ça tout le temps. Ha! Un homme, un vrai, peut se balancer sans ce genre de jouet idiot! Vous me dégoûtez tous les deux! Nous l'avons vu dans l'inforobot, tu te souviens? Il connaît le capitaine Quark. Hé, hey, vous êtes le type des robots, non? Non, moi je construis des robots. En fait, je ne leur appartiens pas. C'est plutôt l'inverse. Quel blaireau. Il me plaît. Bon, maintenant qu'on a éclairci ça, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous avons vu votre pub sur l'inforobot avec le capitaine Quark. On a pensé que vous pourriez nous aider. Nous essayons de le trouver. Votre logique est implacable, mais je n'ai pas vu le capitaine Quark depuis que nous avons tourné cette pub. Dites, vous tournez avec des cartes sur XP18 standard? Version 7.66. Dans le mille. Alors je vais peut-être pouvoir vous aider. Ça vous dit un upgrade, Helipack? Un upgrade? Bien sûr, puisque c'est un 7.66, je pourrais le faire voler en un rien de temps. Évidemment, ça vous coûtera quelques boulons pour le service. Ok, c'est un dollar. Non. Ratchet, j'ai l'air cool, non? Ouais, t'assures, Clank. À votre service. Mes respects, Président Suprême Drake. Bon, épargnez-moi vos civilités, lieutenant. D'après mes sources, vous êtes en retard sur les prévisions. Vous devez préparer cette planète pour notre nouveau monde. Oui, monsieur. Comme vous le voyez, cela suit son cours, normalement. Je compte sur vous, lieutenant.
Et comme votre ancien commandant vous le confirmera, je supporte assez mal l'échec. Bien, monsieur, je n'échouerai pas. Drake a détruit une autre planète. Ouais, bah, si c'est ça le genre d'aide qu'il a, moi je crois qu'on n'a rien à craindre de lui. Ne sous-estime pas le président Drake. Il est très dangereux. Il faut trouver le capitaine Quark. Écoute, ce lieutenant n'a pas l'air si fort que ça. On n'a qu'à s'en occuper nous-mêmes. On arrivera peut-être à convaincre le lieutenant de nous dire où se trouve Drake. Ah ouais, ça j'achète. Matelot postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial des robots géants à tech. Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète. Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako? Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous, vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts. Mayday, mayday, sur le vaisseau solaire radical. Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète. Relax, petit. On dirait une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement en ton honneur. Ah, oh, c'était moi une, là. Hey, ferme-la, tu me déconcentres. On a été touché. Bah, on dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré. On sera mort bien avant, hein. On dégage! Injection! Injection! Hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMarks! Il connaît le capitaine Quark? Ça m'étonnerait. C'est un pro d'overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Skid McMarks,
l'homme de l'inforobot. En chair en os et en dreadlocks, petit gars. Eh, vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale? Eh, on vous a surtout entendu hurler à l'aide. Ah, bon, c'est-à-dire c'était genre un cri de guerre. Hein. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'Overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur? Il va bien, mais moi j'ai un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial. À cause d'une entorse à la cheville. Ah bah c'est pas de bol ça. La poisse, ouais, mais si vous me débarrassez des requins des sables, je pourrais peut-être vous donner un de mes overboards. Ce serait avec plaisir, monsieur McMarx. Mais nous devons trouver le capitaine. Une de vos planches. Alors, j'ai toujours rêvé d'un overboard correct, moi. Ça marche. Reposez bien votre cheville, mon gars. La glisse. Tiens, hé, petit, attrape ça. Ah, un Z3000 tout neuf. Ce modèle est même pas sorti. Bon, allez, faut que je m'arrache. On se verra en course d'overboard, les gars. Le moindre message, ce temps perdu me rend malade. Oh, vous faut-il un médecin, monsieur? Ah, ce n'est qu'une expression, mon petit. Le problème, c'est que je suis coincé ici et que mon client vedette est introuvable. Hé, hey, on vous a vu sur l'inforobot. Vous êtes l'agent de Skid. Je l'étais, plutôt. Il a disparu au moment du crash de notre vaisseau. Et un agent sans sa star, eh ben, c'est un peu comme une puce sans son chien. Mais dis-moi, tu m'as l'air sportif, petit. Si tu décroches le prix du championnat d'overboard de Blackwater City, je ferai de toi ma prochaine star. Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur. Je pourrais bien devenir le prochain Skid McMarx. Charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Thank you.
Super impressionné! Il semblerait en effet. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake. Et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glissobot. Technicien de montage de givre, éleveur d'animaux mutants, réparateur de robots, cobaye pour aspiro-canon et assistant administratif. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir? Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord, il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où il se cache. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. Ça, c'est un bon choix. Sélectionnez la fonction d'autodestruction automatique. Séquence d'explosion lancée. Veillez à ne rien oublier. Votre attention, s'il vous plaît. Ce vaisseau va sauter des premières suites. Conseillant de partir. Darla Gratch en direct de Blackwater. Nous venons d'apprendre que le capitaine Quark va présenter le Grand Prix du championnat intergalactique d'Overboard, qui aura lieu ici même lors des prochains jours.
Malheureusement, il semble que cette ville souffre depuis quelque temps d'une invasion d'étranges amibes géantes. Les pouvoirs publics nous ont cependant assuré que toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ces créatures nuisibles ont été prises. Ici Darla Gratch, en direct pour Info 2. Dis donc, t'as vu ça ? Oui, souhaitons que cette pauvre femme aille bien. Mais oui, bien sûr qu'elle va bien, enfin j'espère. Non, moi je te parlais des courses d'overboard en fait. J'ai cru y rester cette fois-ci. Un nano-crétin a encore dû laisser les cages ouvertes. Bah c'est bon, vous pouvez descendre maintenant. Franchement, un ingénieur en gadget devrait avoir droit à un petit peu plus de respect, selon moi. Ah, vous êtes inventeur. Non, je suis ingénieur en gadget. Je crée des engins révolutionnaires pour le président Drake. Par exemple, regardez un peu ça. En passe d'être breveté, mais glisso-botte. Écoutez, je dois absolument sortir d'ici et me trouver un nouveau job. Et si je vous les vendais, hein? Pas cher, hein? Les vendre? Alors qu'on vient juste de sauver votre petite tête! Ok, je vous ferai un petit prix d'amis alors.
Eh bien, merci. Je me sauve tant qu'il en est encore temps. Salut Mekai! Et ton robot contre Delt, mec. Je l'échange. Ok. Ratchet. Je rigole. Désolé, il est pas à vendre. Et c'est quoi un telt d'abord? T'éclater la tronche. Et dis donc, tu me cherches là? T-E-L-T. T'éclater la tronche. C'est le lance-missile le plus puissant de la galaxie. Je sais que ça coûte très cher. Il a dû le voler au Blarg.
volés. Écoute bien, ordure. Qu'est-ce qui te permet de dire que je l'ai volé? Fais attention à ce que tu dis ou je vais... Attendez, je sais. T'es éclaté la tronche. Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard. Le capitaine Quark offre un zoomérateur platinum flambant neuf au vainqueur. Un zoomérateur platinum? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent. Attendez, vous parlez bien de Skid McMarks? Ouais, Skid n'a pas pu venir, alors on est là pour, disons, le remplacer. Eh bien, on va voir ça. Bonjour, ici le Capitaine Quark. J'ai le grand plaisir de vous présenter les champions intergalactiques d'Overboard de cette année. Applaudissez bien fort. Ratchet and Clank. Hé, hey, regarde, c'est nous! Aujourd'hui, nos vainqueurs ont remporté un Zoomérateur Platinum Pro flambant neuf, modèle T15. Construit par Gadgetron, cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances d'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité de tout le marché des appareils anti-gravité. Mes amis, il est temps de rendre l'antenne. Ce soir, n'oubliez pas de régler vos inforobots sur le canal Quark Classique pour l'épisode du jour du Canyon de la Mort. En vedette, votre serviteur. Merci à tous et quarkez-vous bien! Thank you.
conférence de presse terminée. Le capitaine Quark ne veut plus de reporter qui le harcèle dans sa caravane. Oh, en fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur patte? Les paparazzi me dégoûtent. Barrez-vous. Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra... Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche. Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon... En caleçon? Puis vous la vendez au tabloïd pour 1 000 000 de boulons. C'est pas du tout ça. Alors que moi, je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure. Et je me fais incendier par ce radin de Quark. En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma com. D'avance. Eh ben, c'était pas compliqué. Quand on graisse les charnières, la porte s'ouvre. Capitaine Quark. Hein, quoi? C'est Ratchet et Clank, capitaine. Vous savez de... Ah oui, oui, je sais qui vous êtes. Vraiment? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait! Génial! Alors on peut aller faire de l'overboard! Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble? Mais vous voulez notre aide alors? Écoute, Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment? Alors, je pourrais être célèbre? Absolument! Oh tiens, prends ça! Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros? La force? La compassion? La détermination? Ou bien est-ce la chance? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question. Mais le capitaine Quark détient la réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. Cet info-robot contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans ciller ses agressions assassines, sans s'immiscer au soudi? Serez-vous sur son... Oh! Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique! Consultez un médecin avant tout effort éreintant. Si vous mourrez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Retrouvez-moi, retrouvez-moi à mon QG. Hey, capitaine Ratchet! Pas mal, non? Nous serons à la hauteur, monsieur. C'est promis. Réussissez et vous pourrez ainsi combattre le mal à mes côtés. Tu trouves peut-être qu'on n'en a pas encore assez fait? Quoi? Je n'entends rien. Je disais, tu trouves peut-être qu'on n'en a... Je n'entends rien du tout. On verra ça plus tard. Plus tard? On sera peut-être déjà mort. Hein? Allez, viens, Clank, on s'arrache.
arriverez toujours à me surprendre, vous deux. Placez-vous au centre du cercle des héros, et je vous donnerai enfin ce que vous méritez. Ratchet, ce n'est pas le moment d'être méfiant. Nous avons atteint notre objectif. Ouais, je sais pas. Ça flaire l'embrouille à plein nez par ici. Écoute ton petit ami métallique, Ratchet. Il ne tient qu'à toi de changer ton destin. Bah, c'est juste qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Ça suffit. Quark va nous aider à arrêter le président Drake. Eh bien, merci, Clark. Tu m'as fourni une aide très précieuse. Ah non! Mais pousse-toi de là, pauvre imbécile! J'adore voir mes plans aboutir. Que voulez-vous dire? Mais qu'est-ce que tu crois, boîte à boulons sans cervelle? Il n'est pas là pour nous aider! Il va nous tuer! Tu piges vite, dis-moi! Mais il y a juste une petite erreur dans ton analyse. Ce n'est pas moi qui vais vous tuer. Ah bon? Non, c'est lui! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ce n'est pourtant pas si difficile à comprendre. Je suis le nouveau porte-parole officiel de Drake. Et il n'est pas question que vous compromettiez mon retour. J'ai pas dit mon dernier mot, Quark. Non? Mais ça ne saurait tarder. Je me demande à quoi sert cet info-robot. Bah, il est peut-être là pour te remplacer. Nous sommes coincés! Nous sommes coincés! Les vaisseaux bombardent notre position depuis les airs! Là, on l'a échappé belle, hein! Nous avons besoin d'aide! Vite! En fait, j'ai besoin d'aide! Tout mon bataillon a déserté et m'a laissé tout seul au combat! Si l'ennemi ne tue pas ses dames, je m'en chargerai! Je ne veux plus dire que longtemps! Je demande de l'aide immédiatement! Terminé! Les vaisseaux de Drake sont en train de détruire la planète. Il faut aider ce commando. Ouais, j'espère que tu plaisantes. J'en ai marre, je me casse! Capitaine Quark va regretter de m'avoir cherché les poux dans la tête. Il n'est maintenant plus question du Capitaine Quark. La vie d'innocent est en jeu. Ah ouais? Eh ben j'en ai ras la casquette de jouer les héros. J'ai pas que ça à faire, moi! Ratchet, ça ne te ressemble pas. Mais qu'est-ce que t'en sais après tout, hein? T'as passé tout ton temps à chercher Quark. T'es loin de me connaître, mon petit gars. Je sais que tu feras le bon choix. Eh ben pour l'instant, tout ce que je veux, tu vois, c'est trouver Quark. C'est pas vrai, comment ça marche ce truc débile? Aurais-tu oublié? Il te faut un système d'allumage robotique. Je démarrerai le vaisseau si tu acceptes d'aider ce commando. Je rêve. Tu me fais du chantage? Ok. Allez, tais-toi et démarre ce vaisseau. Déjà de retour. Oh, c'est à moi que vous parlez? Je n'ai jamais eu l'habitude de parler tout seul, espèce de bouffon. Tu t'es débarrassé d'eux? Ouais. Enfin... j'avais un plan et je pensais... Tu pensais? Tu pensais? C'est moi, la tête pensante ici, espèce de mou du cerveau. Mais... Tu devais seulement éliminer ces deux vermines avant qu'ils ne nous causent de vrais ennuis. Mais je souhaites-tu voulais... Souhaites-tu toujours être le porte-parole mieux payé de ma planète? Oui. Alors la prochaine fois que je te demande quelque chose, fais-le bien! Allez, hors de ma vue! Garde à vous, misérable vermine! Soldats, si je vous reprends déserté, je vous abats moi-même! Eh, faut arrêter le café, moi! La Ferminus, vous voyez ces bombardiers? Regagnez les tourelles et abattez ces vaisseaux avant que la planète ne soit plus qu'un simple tas de cendres! Retrouvez-moi à l'entrée de la ville! Il a besoin d'aide. Ah ouais? Ben vas-y, toi, si tu veux. C'est encore un piège! Alors allez! Vas-y! Va casser du méchant! Au moins, je ne suis pas un lâche. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Je vais te dire, dès que j'ai trouvé Quark, je te vends à la casse. Ah !
Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nous sommes en mission pour sauver la galaxie. Attends, parle pour toi. Et puis baisse les mains, boîte de conserve. T'as l'air complètement ridicule. En fait, je me fiche de qui vous êtes. Je veux juste me tirer d'ici, oui. J'ai intégré l'armée pour payer mes études et je me retrouve au beau milieu d'une guerre. C'est pas croyable, ça. Mais la cause est noble, monsieur. Ouais, tu parles. Moi, je veux juste retourner chez moi. Tenez, je l'ai pris sur un robot en 1000 morceaux. Je veux bien vous l'échanger contre quelques boulons. Merci 1000 fois, hein. Et puis bonne chance pour votre sauvetage. Enfin, votre mission. Mes hommages, cher président suprême Drake. Comme vous le voyez, nous allons tester notre tout dernier aérocasque automatisé. Ce casque permet aux pilotes de contrôler nos plus récents jets à réaction par la seule force de la pensée. En voici d'ailleurs la démonstration. Et il nous reste juste quelques petits réglages à effectuer. Wow! Ah, si jamais ils arrivent à faire marcher ce truc comme il faut, faudra vraiment que je m'en trouve un. S'ils travaillent pour le président Drake, ils doivent certainement savoir où il est. Mais ça devient une obsession, ma parole. Drake par-ci, Drake par-là, moi aussi j'ai mes problèmes. Si tu ne vois pas combien cela est important, tu as effectivement des problèmes. Ah ouais? Bah si t'es si malin, comment t'as fait pour tomber dans le piège de Quark, hein? Ah... Allez, laisse béton. On doit aller tous les deux sur cette planète et c'est tout ce qui compte. Ça bouge pas. Mis à part les armes nucléaires, j'ai tout essayé. Bon, c'est pas grave. Vous laissez pas miner, mon gars. Allez, à plus. Pas si vite, soldat. Vous irez là-dedans même si je dois vous y pousser. Haha, ce conduit d'aération mène à la plateforme de la tourelle. Soldat, essayez de vous infiltrer dans ce conduit discrètement sans vous faire remarquer. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici, soldat. Cela mérite une bonne récompense. J'ai intercepté ce communiqué qui peut vous être utile. Prenez-le. Je pars retrouver mon bataillon. Bonne chance. Rebonjour, chers amis Blargue. J'espère que vous vous portez bien. Comme beaucoup le savent déjà, notre planète n'est désormais plus habitable. Nous avons perdu nos usines, nos laboratoires et notre douce existence à cause d'une pollution sans précédent nous forçant à tout abandonner. Heureusement, les planètes voisines nous fourniront tout le nécessaire pour créer une nouvelle terre d'accueil. Et nous touchons presque au but. Une fois que notre scientifique aura trouvé l'orbite idéale, notre nouveau monde sera parfait. Réservez vite votre emplacement, les meilleurs sont déjà pris d'assaut. Bonne journée. Maintenant, tu comprends pourquoi il faut l'arrêter. Il ne renoncera pas tant que toutes les planètes ne seront pas détruites. Ah ouais? Ben moi, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh, et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, laisse tomber, c'est une expression. Bon, dis-moi, ce commando, il a pas dit qu'on pouvait entrer dans la tourelle? Si, grâce au conduit d'aération. Mais nous ne pourrons pas marcher sur cette surface. Bon, ben moi je vais faire piscine alors. On reviendra plus tard, allez.
Salut, Mekai. Ça, c'est de la balle.
Hop. Oh. Hey, mais dis donc, tu lâches l'affaire, oui? Elles sont magnétiques. Il m'est difficile de m'en séparer. Ah bon? Oh. Connais-vous? Le plombier de l'espace. Très drôle. Que faites-vous ici, monsieur? De la maintenance, bien sûr. Je répare ces défenses anti-aériennes inutiles. Ouais, bah vous feriez mieux de vous dépêcher. La tourelle marche très bien, espèce de petit pignouf. Le problème chez les gens, il y en a pas un qui sait s'en servir comme il faut. Ah, mais moi je tire comme une bête. Ouais. Non, je risque de perdre mon boulot, alors... Oh, allez, quoi? Fais pas ta mijaurée. C'est pas la peine de garder une tourelle si personne s'en sert. En plus, les Blarks vous ont chassé de la dernière planète. Faut leur faire payer, mon gars. Bon, d'accord, vas-y si tu veux. Mais va pas me cacher quelque chose, hein. Ouais, il semble être bon à quelque chose, finalement. Viens, prends ça. Kezako. Ça détecte les boulons sous terre. Mon grand-père l'a conçu pour aspirer la petite monnaie sur toutes les planètes de la galaxie. Quel vieux radin, celui-là. Bon, allez, salut, à la prochaine. Bonne tête. Maintenant que tu disposes d'un métaux-détecteur, un icône en forme de boulon s'affiche à l'écran chaque fois que tu te trouves à proximité de boulons enfouis. Une fois équipé du métaux-détecteur, il t'envoie des signaux t'indiquant la présence de boulons enfouis à proximité. La direction des boulons enfouis apparaît sur le détecteur. Maintiens la touche cercle enfoncé pour activer le dispositif. À l'approche des boulons, les anneaux deviennent de plus en plus rouges et le signal sonore plus rapide. Maintiens la touche cercle enfoncé et une fois au-dessus... Yeah.
Pourvu que Ratchet ne voit pas celui-ci. Dis donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Fil, ferraille, poussière. Non, tu sais ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, mais promets-moi de rester concentré sur notre mission. Et est-ce que ça concerne Quark? Qui dit ville dit brouillard, qui dit marécage dit boue, et qui dit puits de pétrole dit pétrole. Mais qui dit station de Zowai dit soleil 24 heures sur 24. Pour explorer les eaux chaudes, nous offrons un masque rondu à nos clients. Découvrez la douceur de la vie marine dans un monde sous-marin bleu azur. Vous pourrez aussi chausser vos palmes gratuites pour participer à une course de natation. Alors venez tous à la station Zowai pour oublier vos soucis et changer d'air. La station Zowai sur Pokitaru. Je le savais. Oh, allez, quoi? Déconnecte tes circuits et lâche-toi un petit peu. Écoute, allez, on y restera juste le temps de dégoter le masque O2, je te promets. Peut-être l'excès d'oxygène aidera-t-il ton cerveau à fonctionner correctement. Et peut-être aussi que l'eau te fera rouiller et que tu la boucleras enfin. Hé, les premières têtes sympathiques depuis des semaines. Vous êtes gentils, n'est-ce pas? Bah, avec vous, oui, mais avec lui, non. Mes amis, j'ai un marché à vous proposer. Depuis que les blargues déversent leurs déchets toxiques dans notre océan, la faune s'est... transformée en mutant vorace. Oui, en quelque sorte. Tous mes clients sont partis. Ou ont servi de repas. Donc j'ai plus qu'à fermer. Mais il se trouve qu'il me reste un et un seul masque au deux. Combien? Il est pas à vendre. Mais vous avez dit que... Qu'on pouvait faire affaire. Et c'est vrai. Si vous éliminez ces vaisseaux blargues, il est à vous. Escortez-moi à l'autre bout de la station et vous pourrez utiliser notre jet. Un jet, c'est cool. Ok. Mais surtout, mon gars, tu t'avises pas de nous rouler, hein. Bon, on y est. Alors, il est où, ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et vlant un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance aux touristes et la direction me fait pas confiance. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors, aboule le masque ou je te fais une tête au carré.
Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez, allez voir Bob dans son robot romain. Il connaît bien ses serrures. Bien, bien, voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé les lipacs. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hé, hey, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulse opaque. Ouh. Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. Dak, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars, flambant neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Que j'ai pas le choix. Et voilà. Bah, ben, c'est pas trop tôt. Bonjour à vous tous. Ici le président suprême Drake pour vous informer de notre évolution. Nous avons trouvé l'orbite parfaite pour notre belle planète. Une orbite qui nous permettra d'avoir une température optimum toute l'année. Cependant, une planète occupe actuellement cette orbite idéale. Et hélas, pour ses rares habitants insignifiants, elle doit être détruite. Nous avons donc conçu ceci, le Dévastoplanète Maximus. Un appareil capable de faire exploser une planète en particules subatomiques. Nous en sommes assez fiers. Voici comment il fonctionne. Il faut fixer le Dévastoplanète au vaisseau, le mettre en orbite autour de la planète, et c'est parti! Badaboum! Plutôt ingénieux, non? Une fois que nos techniciens qualifiés auront mis la touche finale à notre nouvelle planète, tout sera au point. Merci et au revoir. Alors ce type va faire exploser toute la planète, mais c'est trop nul! C'est ce que je n'ai pas cessé de te dire. Hé, moi celui que je veux avoir, c'est Quark. Mais si on peut aussi choper Drake dans la foulée, c'est cool! Quoi? Tu y tiens. Hé, me cherche pas, hein!
C'est sûrement le vaisseau qui va transporter la bombe. T'as trouvé ça tout seul, Sherlock Holmes? Poupée, quoi de neuf? Bonté divine! Tu dois être un vrai petit ange! En fait, je suis un petit robot. En plus, tu es marrant. C'est un robot clown. Il a fait l'école du rire. Toi, attention! Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Aimerais-tu un upgrade hydropack? Cela serait très pratique pour nager sous l'eau. Blablabla. Petit chou. Oh, tu es superbe. Merci, mademoiselle. Vous êtes très jolie et vous avez beaucoup de talent. Allez-y, faites comme si j'étais pas là. Jaloux. N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux, bébé. Thank you.
Zut! Y a-t-il un problème, monsieur? Vous avez pas des pièces détachées, par hasard? Serre-toi, fais comme chez toi! Quel satané caillou! Je n'arrête pas de casser ma foreuse! Ce caillou, c'est du raritanium. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Waouh! La super classe! Je te revendrai ça! Merci, vieux! No problemo, mon costaud. Dis donc, tu permets que je te débarrasse de cette maudite roche? Tiens, elle est à toi. Nous arrivons trop tard. Le vaisseau part. Regarde! Là-bas, il y a une vieille tourelle de défense. Hé, hey, est-ce que tu penses la même chose que moi? Sincèrement, j'en doute. Messieurs, vous allez devoir accomplir une mission très dangereuse. Munie d'une grosse artillerie, nous allons attaquer par surprise, depuis notre nouvelle base lunaire, une planète totalement désarmée. Jusque-là, ça n'a pas l'air très dangereux. Cependant, les ordres sont simples. Détruisez tout ce qui bouge. Volez les générateurs d'énergie de Gorna City, puis détruisez même tout ce qui ne bouge pas. Oh, et puis surtout... Profitez-en. Nous devons atteindre la base lunaire et arrêter Drake. Non, non! On doit aller sur la base lunaire pour trouver Quark. Si jamais Drake est là-bas, Quark est sûrement avec lui. Mais Drake est sur le point de détruire cette ville. Nous devons nous rendre à la base. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Bien! 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 Il est temps d'honorer ta nouvelle mission. Oh, quelle magnifique photo de votre nouvelle navette! Super idée! Stupide crétin attardé! Ben quoi? Tu vas prendre cette navette pour aller à la base lunaire et piéger ces deux pauvres minables. Oh, bien sûr! C'était qui déjà? Oh, c'est de là! Ah, mais oui! Il y a juste un petit problème. Je suis... Trop exténué pour le corps à corps? Je sais. Et c'est pourquoi je vais te prêter mon spatio-jet. Tu sais encore piloter, non?
Marché conclu. Tu auras accès au Spatial Jet à ton arrivée sur la Lune. Et si tu échoues, tu peux dire adieu à mon sponsoring. Mais ça me ruinerait. Vous n'oseriez pas. On parie. Je n'ai pas vu le vaisseau de Drake, il n'est plus là. Ah ! Qui sait où a filé Quark maintenant ? Hé, si on veut choper ces deux-là, il va nous falloir un vaisseau plus rapide. Il y a peut-être un tel vaisseau dans cette station. Bah, puisqu'on y est, jetons un coup d'œil, petit bonhomme. Thank you.
Bonjour, Capitaine Ratchet. Chia. Viens me chercher, super-héros. Peut-être trouverons-nous un vaisseau par là. Super idée. On se dépêche. Malgré les critiques que j'ai formulées, je dois avouer que tu progresses en tant que pilote. Ah ben enfin, un compliment. Mais nous n'avons toujours pas localisé Drake. Allez, Clank, tu peux pas, pour une fois, rester cool et savourer un peu la victoire. Hé, hey, tu veux qu'on chope Drake? Je te parie qu'on peut y arriver avec ce petit bijou. Ici Darla Gratch, en direct de Gorda City. Autrefois paisible, cette planète a été totalement dévastée par une attaque surprise. Il est à présent certain que rien ne viendra dissuader le président suprême Drake dans ses multiples tentatives pour détruire la galaxie à des fins personnelles. Tout espoir semble maintenant perdu. C'était Darla Gratch en direct pour Info 2. Oui, je sais. C'est encore pire que prévu. Tu sais, en fait, t'avais peut-être raison. Toi et moi, on fait pas le poids contre tout ça. C'était vraiment égoïste, hein, de me focaliser sur Quark. Il n'est pas trop tard pour arrêter Drake. Mais ouais, tu m'étonnes. On a ce nouveau vaisseau, on va aller le choper. Là, je te reconnais. Je t'en prie, réveille-toi, allez, 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 hé hey. Capitaine Quark? Ah non, tête de boulon, c'est moi, Ratchet. Qu'est-il arrivé? Bah, tu t'es fait griller par la foudre, mon gars. Il va y avoir un orage du tonnerre par ici. Ça risque d'être un petit peu dangereux pour toi, tu vois. Mais bouge pas, j'arrive. Thank you.
Qu'est-ce que je fais pour toi? Je cherche Drake. Mais oui, bien sûr que j'ai des choses à vendre. Depuis l'explosion, je n'ai pas eu beaucoup de clients, tu sais. Dis donc, t'es sûr que ça va, toi? Quoi? Pas cher? Mais justement, je peux te faire un prix sur ce turborateur en miettes, sur ce carboniseur atrophié ou j'ai cet info-robot. Elle t'a bien décalqué d'explosion, mon gars, hein? C'est un habile négociateur. C'est d'accord, je te fais cet info-robot à moitié prix. Bon, on va dire que le compte y est. Génial. Arrête de te plaindre, t'as fait une belle affaire. C'est pas vrai, ça. Peur de sortir la nuit? Peur de sortir la journée aussi? Trouillard invétéré. Ce qu'il vous faut, c'est ça, le must de l'ultra-robot. Ce robot est le dernier cri des systèmes de self-défense. Les industries blagues prennent vos commandes. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Waouh, ça c'est ce que j'appelle de la puissance de feu. C'est Clank qui va être jaloux en voyant ça, mon gars. On dirait que Quark n'a pas réussi à les éliminer. Quelle perspicacité! Merci, monsieur. Si seulement tu pouvais être tout aussi impliqué dans ton travail! Oui, monsieur. Notre nouvelle planète sera bientôt prête. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser du monde qui occupe l'orbite désignée. Et cette fois, il n'y aura pas de survivants! Aucun! Allez, on s'active! Thank you.
MVP sur Infini ou... Hey, vous avez besoin d'un petit coup de main pour réparer ce truc? En fait, j'essaye plutôt de le détruire. Pourquoi? C'est ma machine à grandir. J'ai été engagé pour créer d'immenses robots armés. C'est donc de là que venait cet énorme robot? Exactement. Si j'avais su que Drake était derrière tout ça, je ne l'aurais jamais fait. Que peut-on faire pour vous? Eh bien, si vous acceptiez d'être agrandi, vous pourriez stopper ces robots suffisamment longtemps pour que je sabote cette machine. Et ensuite, vous me rétrécirez? Je n'ai jamais essayé ça avant. En théorie, oui. Maintenant, grimpez dans la machine, on va voir ce qui va se passer. Ah. Alors, petit bonhomme? J'ai reconfiguré la machine pour qu'elle vous restitue vos circuits d'origine. Ah, parfait. Je ne sais pas comment vous remercier. Avec ceci, peut-être. Ça vient de sortir, vous allez en raffoler. Chez Gadgetron, fabricant d'armes et autres réjouissances, voici le Holo Déguiseur. Avec le Holo Déguiseur, donnez l'illusion au robot que vous êtes l'un d'eux. Mesurez vos capacités contre d'autres robots. Travaillez à la chaîne de montage robotique. Assistez à leur soirée. Le Holo Déguiseur, disponible au QG de Gadgetron pour une période limitée. Ne pas utiliser à des fins illégales. Apporté uniquement dans les zones autorisées. Ne fera pas de vous un vrai robot. Mais j'y pense, si je dégote ce truc, j'arriverai sûrement à leurrer ces vigirobots. Les robots ne sont pas si bêtes. Ah! Une vache volante! Quoi? Alors, tu disais? Ça commence à bien faire! Je me demande pourquoi je perds mon temps avec une bande de crétins incompétents! D'accord, on va faire une ultime tentative. Vous êtes maître d'élite. Vous serez débarqué à la surface de cette planète pour éliminer ces agitateurs. Allez, en route! Oh, si Gadgetron doit être détruit dans la bataille, qu'il en soit ainsi. Génial, on va enfin voir la fille de l'assistoligne. J'espère qu'elle est mignonne. En quoi est-ce important? Oh non. Vous venez souvent ici? En fait, je travaille ici, donc j'y viens tous les jours. Ah oui. J'ai suivi toutes vos péripéties. Chut, prenez ça. C'est une carte automatique. Elle vous sera très utile. Ah. Ciao, poupée. Bye, mon ange. Je crois qu'elle m'aime bien.
Pardon, monsieur. Hey, mon lézard. Oh, oh. Je me demandais, vous êtes pas inquiet à cause de cette invasion? Fiston, nous possédons les meilleures défenses qui existent. N'y pense même plus. Tu as déjà fait du hoverboard? Bah ouais, ça m'est déjà arrivé. Je recherche la future superstar qui va représenter ma dernière ligne de hoverboard. Quelqu'un qui en imposerait aux gosses. Bah dans ce cas, je suis votre homme. Si tu bats mon robot testeur en course... La place est à toi. Impressionnant. Maintenant, tu dois juste dire quelques mots sur nos nouveaux hoverboards. Comment ça? Maintenant? Évidemment. Regarde bien vers la caméra et dis ce qui te passe par la tête. Ça tourne. Bonjour, monsieur dame. Ici Ratchet pour les hoverboards Gadgetron. Si tu... Hey, mec, si tu veux le hoverboard le plus rapide de la galaxie, prends le XZ88 chez Gadgetron.
Il est trop top cool. J'ai dû me tromper de gars. C'était très drôle. Hey, je me demandais, je vais avoir droit à des réductions sur les gadgets? Il faut avoir travaillé dans la boîte pendant 2 ans pour avoir droit à des réductions. En revanche, je peux te donner ça si tu veux. Attrape. L'Holo Déguiseur Gadgetron est un système d'infiltration parfait pour tous nos clients, à l'exception des robots. Équipe-t'en et appuie sur la touche cercle. Tu seras alors instantanément déguisé en robot sentinelle et donc indétectable par les systèmes de sécurité des robots sentinelles. Appuie de nouveau sur la touche cercle pour faire signe aux autres robots sentinelles qui désactiveront alors les champs de force pour toi. Attention, toutes... Voilà, ça devrait marcher. Maman? Ah, je te jure. J'ai fait de mon mieux. Je sais. Regarde, c'est peut-être ta sœur, ça. Chers amis Blargues, notre monde artificiel est opérationnel et prêt à vous accueillir. Mais il y a encore une toute petite chose qui nous barre la route. Ce minable petit grumeau de planète. Il a la malchance de se trouver sur l'orbite la plus parfaite de la galaxie. Mais plus pour longtemps. Voici le déplanétiseur. Le laser le plus puissant jamais inventé. Bientôt, nous placerons le déplanétiseur juste au-dessus de la surface de la planète. Je me chargerai bien entendu moi-même d'appuyer sur le bouton pour faire voler ce grumeau en éclats. Personne n'échappera au spectacle. À très bientôt! Ratchet, est-ce que, ça va? Alors là, ça ne va pas se passer comme ça! Pardon? Bien sûr, j'aurais dû percuter plus tôt! Oh, tu sais, Drake va comprendre qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à ma planète. C'est quoi ce sourire niais? J'ai toujours su que tu cachais ce Ratchet en toi. Ouais, cause toujours. Allez, si on veut réussir, il faut qu'on s'infiltre dans le vaisseau de Drake et qu'on trouve où il cache ce fameux laser. Allez! Je ferai mon possible pour que tu sois fière, maman. Thank you.
soir sur Plague TV. L'événement que vous attendiez tous. L'anéantissement total de toute une planète. Assistez à la puissance, à la destruction et au néant qui s'ensuit. Accompagnez le très grand président suprême Drake lorsqu'il appuiera sur le bouton qui anéantira un monde pour en faire naître un autre. Et restez avec nous pour assister au bêtisier intergalactique des super-héros avec les gaffes hilarantes du Capitaine Quark. Maintenant qu'on sait où il est, on va le choper. À faire pour vous aujourd'hui. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ça? Imbécile. Après toutes les terribles épreuves que vous avez endurées, l'heure du trépas a sonné. Oh, c'est si poétique. Y en a marre, Clank. On va lui clouer le bec. Vous m'aurez bien aidé, finalement. Dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. Oh! Hey! Oh! Du calme, Cramblant! Oh! Hey! Aïe! Voici donc où nous en sommes. Dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, un compte à rebours va commencer. Lorsqu'il sera écoulé, votre minable petit monde sera rayé de la carte. Il doit y avoir une autre façon de reloger vos compatriotes. Tu crois que ça se résume à ça? D'après toi, qui a pollué notre ancienne planète? Moi! Et tout ça pour la seule chose qui compte vraiment? L'argent qui coule à flot. En fait, j'ai vendu chaque centimètre carré de mon nouveau monde. Dès que les habitants s'y seront installés, je le polluerai de la même façon. Et ce sera à nouveau le règne du chaos. Je suis fort. Mais pourquoi êtes-vous aussi méchant? Laisse béton, Clank. Faut qu'on s'occupe de ce minuteur. Kizako? Tu sais, cette fois je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Clank, tu penses que tu peux nous remonter, là? Le mécanisme de mon bras semble être cassé. Comment ça, cassé? Cassé comme dans « On va se fracasser », c'est ça? Ouais. Semble être très, très endommagé. Non, mais ça se répare, ça. Tu vas comme ça, petit bonhomme. Hey.
n'a pas un bras à réparer? Vous avez du mal à dompter vos épis? Vos démangeaisons dans le bas-ventre sont de plus en plus douloureuses et embarrassantes? Est-ce que vous sentez mauvais? Alors voilà ce qu'il vous faut! L'hygiénateur personnel Gadgetron! Je m'appelle Robert... McQuack. Et cette petite merveille peut vous aider à effectuer tous les soins de beauté qui sont trop difficiles à faire tout seul. Laissez-moi vous montrer. Comme ça, je veux pas en voir plus. Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo, sinon je te mets un coup de clé. Et surtout, n'hésite pas à aimer.